Tuanze. Femme. Eti wake. On commence par les femmes. Wameanzia kwa wake. Femme. Eti wake. Soyez de même soumise. Eti wati ini wa umezenu. A vos maris. Wa umezenu. Afin que. Ili kwamba. Si quelques-uns. Ikiwa wamoja. Pas quelques-unes. Si. Kama si, wamoja wanaume. Habaseme wamoja wanawake. Écoutez bien, le français là-bas précise. Ki France, ki na hakikisha. Vous les femmes, eti, nini wake. Soyez soumises à vos maris. Wati ini wa umezenu. De sorte que s'il y a des hommes qui ne croient pas, ki wango, ikiwa kuna wa ume wasio amini, qui n'obéissent point à la parole, wasio ti neno la Mungu, ils y soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Eti wavutwe pasipo neno kwa mwenendo wa wake zao. Donc la femme peut prêcher son mari sans prendre la Bible. Kwamba mke anaweza kahubiri mume wake bila kushika Biblia. La femme a un mari incroyant, muke akiwa na mume asiye amini, elle croit, yeye na amini, sa conduite, mwenendo wake, sa femme, sa façon de se comporter, namna ya kujikamata, que ça peut amener son mari d'être gagné au Seigneur, yaweza fikisha mume wake kuvutwa na Mungu, sans parole, bila kusema, sans que la femme ne lui prêche, bila kwamba mke amemhubiri, mais par la conduite, bali kwa mwenendo, elle amène son mari à croire à Jésus-Christ. Anafikisha mumewe kuamini Bwana Yesu Kristo. C'est pas facile. Si jambo lepesi. Uwe uko mwanamke. Que tu sois une femme. Mwenye weye nju naamini munyumba. Donc toi qui crois dans la maison. Bwana ni mulevi. Le mari c'est un ivrogne. Et qui fait tout ce qu'il veut. Et il ne part jamais à l'église. Ta conduite. Tes attitudes. Ton comportement. Amène le mari à croire. Sans avoir ouvert la Bible. Pour lui dire. Matthieu, Luc, Jean. Matthieu, Luc, Jean. Tes attitudes, ton comportement, amène l'homme à dire, laissez-moi aller voir l'église là où elle communique, que je dise à leur serviteur, merci d'avoir gardé ma femme. Il vient vous dire, il commence aussi à communier, un jour il commence à dire, c'est ça que maman vient écouter, bien. Mais c'est bien. Si je vois, ce sont les qualités de prédication qu'on lui donne. Moi aussi, je vais suivre ça. Combien de femmes font que leur mari commence à injurier l'église, pourtant l'église ne vous a pas envoyé de faire ce que vous êtes en train de faire. Le comportement de la femme fait que le mari commence à insulter l'église. Pourtant on est en train de bien enseigner à l'église. Mais la femme va faire le contraire. Et ça fait que le mari à la maison, il lui dit, ton comportement, et ne rentre plus à l'église. Ces caractères, je ne veux plus te voir fréquenter les églises. Qu'est-ce qu'on t'apprend là-bas? On vous apprend de me manquer le respect. On vous apprend de me faire ceci. Ton comportement peut perdre les maris et peut aussi les sauver. Ça va? Ok. Ça va? Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ikiwa waume wa moja watineno, ils soient gagnés par la conduite de leur femme. Kwamba wakokotwe na mwenendo wa wake zao. Ba mama mniangalie. Et maman, regardez-moi. Christelle, niangalie. Christelle, regardez-moi. Una pata bahati. Aujourd'hui, tu as la chance. Una pata frère. Tu as un frère. Me banasema benye bali olewaka na bwana ni mupagani na bibi ni mupagani. Mais on parle de celles qui s'étaient mariées quand la femme et le mari étaient accompagnés. Mais toi, tu as été sauvé avant. C'est quel genre de fruit que tu es en train de lui produire? Toi, femme qui est assise. Toi qui nous as visités pour les mariages. Ou celle qui est d'ici?
Vous avez accompagné le mariage de vos enfants. Vous n'êtes pas venu ici pour écouter l'histoire du corbeau et de l'élément. C'est la parole de Dieu qui va enlever la peau du péché. Si tu vas écouter aujourd'hui et tu n'arrives pas à le pratiquer, mais on te l'a dit ici. Celles qui ont des maris incroyants, qui les amènent à croire à cause de leur comportement. Et le mari dit, j'ai une femme chrétienne. Et quand il tombe malade, il te dit, prie pour moi. Il a déjà découvert une foi ferme dans toi. Il dit, même si moi je suis ivre, mais prie pour moi que je sois aussi sauvé. Prie pour moi que je sois comme toi. Je vais poser la question dans cette église. Il y a combien d'hommes qui ont compris que leur femme les dépasse en chrétienté? Bon, changeons. Combien de femmes dont par leur comportement ont fait que leur mari puisse venir nous rendre grâce? Et nous avons dit, j'ai vu que la maman a changé. J'ai vu que maman a changé. Je rends grâce. Combien de femmes ici dont à la maison vous n'arrivez pas à aller à l'église et le mari te fait réveiller à l'église? Va te laver vite. Même si moi je ne pas à votre église, mais il y a encore 6 heures, tu es encore ici, va-t'en. Parce qu'il sait que quand tu pars, il y a un caractère que tu dois tirer de là-bas pour l'aider. Et ça devient le matin. Le mari te demande, aujourd'hui tu n'iras pas. Et puis lui, il ne part pas. Pourquoi? Il sait que si tu ne pars pas, tu ne seras pas sexué. Je vous connais maintenant ici. Si il n'a pas communié, le mari se réveille. Si vous n'avez pas vu maman, sa santé n'est pas bonne. Pourtant c'est un païen. Tu avais qu'une vie dans ton comportement montre que la façon dont je l'avais mariée, ce n'est pas la même façon qu'elle est aujourd'hui. La parole est en train de la transformer. Je vais vous dire, un homme peut jouer dans ses péchés, mais un homme peut reconnaître une femme forte et une femme faible. Ne pensez pas que parce qu'il n'a pas sauvé, qu'il ne peut pas reconnaître une bonne femme et une mauvaise femme. L'incrédulité ne peut pas faire que l'homme ne puisse pas découvrir un bon caractère d'une femme. Je continue avec